L'hôpital Sainte-Marie fait peau neuve. Avec la série de travaux lancés en 2009, de nouveaux locaux sortent de terre. Un premier bâtiment sera opérationnel début août. Il accueillera le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Un déménagement devenu plus que nécessaire. Les nouveaux locaux offrent une qualité hôtelière sans commune mesure avec l'existant qui était très très ancien. La partie sécurité également a été déficiente, donc on va maintenant avoir des bâtiments totalement aux normes en matière de sécurité incendie, et ça c'était un objectif également important. Le service psychiatrique de l'adulte et le centre administratif vont aussi devoir déménager. Mais pour le moment, les travaux sont encore en cours. Les grues laissent place aux artisans qui commencent à donner vie au lieu. De quoi apporter beaucoup d'espoir aux responsables du chantier. Actuellement, nous, on a un objectif qui est assez ambitieux, c'est de livrer l'ensemble du bâtiment, on va dire, au plus tard janvier 2012. Quoi. L'hôpital psychiatrique change de mur, une modernisation qui a un coût, 35 millions d'euros. Un tiers de la facture sera financée par l'État.